Alors, bonsoir, good evening everyone. Nous sommes ce 12 septembre 2022. We are September 12, 2022. Bienvenue à notre séance du conseil d'arrondissement. Alors, welcome to our borough meeting office. Alors, je débuterai tout d'abord avec une demande pour qu'on puisse tous se lever et observer une minute de silence. Et particulièrement, je voudrais souligner pour les citoyens qui sont à l'écoute, ceux qui sont dans la salle, vous avez pu remarquer que les drapeaux devant le bureau d'arrondissement sont en berne. Alors, je parle ici du drapeau de Greenfield Park, de la ville de Longueuil, province de Québec et du Canada. Et vous allez revenir, c'est tous ces drapeaux ont été mis en berne pour, en l'honneur, en fait, de la reine Élisabeth II, qui est décédée la semaine dernière. So, as the citizen could see, it's possible to see from the borough office, then all the flag was put it down, for the honor of Our Majesty Queen Elizabeth II. Alors, on va observer une petite minute de silence. Merci. Thank you. Alors, Madame la greffière, on va débuter. Alors, donc, 1.1, ouverture de la séance. Nous avons quorum nécessairement. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour. It is moved that the agenda be adopted. Merci, M. Normandin, Mme Rasmussen. Et ça nous amène 1.3, public question period. Alors, période de questions du public. Alors, ceux et celles qui sont dans la salle, en fait, celles qui sont dans la salle, si vous avez une question, je vous invite à vous présenter ici à l'avant, de nous indiquer nom et prénom. Oui. Est-ce que, Mme Lagaffaire, vous avez besoin d'avoir les coordonnées? Je peux les noter après, coup, après si vous voulez. Après, vous pouvez les donner, vous pouvez les donner. Alors, mon nom est Suzanne Lemay, je suis résidente de Greenfield Park. Bonjour soir. À tous. Bonsoir. Madame Lemay. C'est vrai, c'est le soir. En fait, j'ai préparé ma question, j'ai mis par écrit mon préambule, fait que ça ne vous ennuie pas, je vais vous le lire. Probablement que vous connaissez les sujets, que ça va juste faire un rappel. Allez-y, Madame Lemay, on vous écoute. C'est bon. Alors, ça concerne la crise climatique, l'environnement et la santé. Alors, ça va comme suit. Un milieu urbain pollué entraîne plus de mortalité cardiovasculaire qu'un milieu vert. En effet, selon les données de 2011, le fait de vivre en milieu vert réduit de moitié la mortalité cardiaque entre pauvres et riches. Des chercheurs ont récemment découvert que les cancers du poumon chez les non-fumeurs sont attribuables aux particules fines présentes dans l'air pollué. Les îlots de chaleur affectent la santé des populations. Les périodes de chaleur intense coïncident avec une augmentation de la mortalité et de la morbidité chez les personnes âgées, les personnes seules, défavorisées d'un point de vue socio-économique et atteintes de maladies chroniques. Selon un article paru dans la revue Science du 8 septembre dernier, le monde est en train de basculer vers l'abîme climatique. Alors, il est urgent d'agir. L'arbre est un puissant purificateur d'air, en fait. Il est capable d'absorber les gaz carboniques, mais est aussi très efficace pour absorber des composés organiques volatiles, issus de la production des hydrocarbures et émis par le transport et l'énergie. Ils nettoient l'atmosphère. Les arbres rafraîchissent l'air ambiant. La présence d'arbres a également un effet bénéfique sur la santé mentale des gens. La Ville a publié en 2018 sa politique de l'arbre, intitulée « L'arbre, infrastructure verte », une politique qui prend racine. Mon ami et moi, sommes de grandes marcheuses. Nous avons pu observer que certaines propriétés dans notre arrondissement étaient dépourvues d'arbres ou en avaient très peu.
Par contre, on a observé aussi qu'il y avait beaucoup d'herbes à poux qui fleurissaient abondamment présentement. Les stationnements des centres commerciaux ont très peu d'arbres. Ma question est la suivante, en fait. Que se fait-il concrètement en Greenfield Park en lien avec la politique de l'arbre? Et si rien n'est fait présentement, y a-t-il place pour un projet de verdissement citoyen? Dans l'affirmative, à qui s'adresse-t-il? Bon. Alors, c'est Madame Lemay, merci. Tout d'abord, merci beaucoup de vous présenter ici, nous partager la préoccupation que vous avez avec votre ami de voisinage. Sachez que, effectivement, on est le conseil d'arrondissement, tout comme mes collègues au sein des autres districts de la ville, très soucieux du climat ou, en fait, de cette urgence climatique qui sévit présentement. Chaque semaine, chaque jour, on voit les effets de cette crise climatique. Et sachez que nous avons une très grande préoccupation de tenter du mieux que l'on peut, à travers différentes façons, différents moyens, d'intervenir pour contrer cet effet irréversible. Ça, c'est une chose. La seconde, comme président du Conseil consultatif d'urbanisme, avec qui je siège avec Mme Marasmussen, il y a des membres citoyens, il y a 5 membres citoyens, et je peux vous assurer que chaque construction, chaque projet de rénovation, on voit et on cherche constamment à bonifier la végétation par la plantation, la transplantation d'arbres. Et on regarde chaque situation et je peux vous assurer que, comme je me plais à dire, à Greenfield Park, on aime les arbres. Le plus bel exemple, c'est le vieux Greenfield Park, comment la canopée est verdoyante, en fait. Elle est quand même bien garnie. On fait des comparaisons avec certains secteurs de la ville où je pense qu'il y a le besoin qu'il y ait davantage d'arbres et on y travaille. Mes collègues y travaillent. Nous, on y travaille ardemment à Greenfield Park. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme de Greenfield Park. C'est surtout le vieux Greenfield Park. Et on veut également le faire autant de l'autre côté. Sachez également, c'est pour ça que je me suis pris une note pendant que je vous écoutais, on a adopté au cours du mois de juillet passé, au Conseil de ville de Longueuil, un contrat qui octroie à deux fournisseurs, la transplantation d'arbres sur l'ensemble du territoire de la ville de Longueuil. Au surplus, vous savez, comme à chaque printemps également, il y a ce qu'on appelle la journée verte. Alors, les citoyens sont appelés, là, ceux et celles qui le veulent, à s'inscrire rapidement pour aller chercher leur arbre. Et c'est toujours un grand succès. Alors, il y a des initiatives comme ça, puis notre désir, c'est de le maintenir. Et vous savez que la réglementation sur la coupe des arbres est très sévère. Moi, j'invite les citoyens... Pour ceux et celles qui, malheureusement, se mettent à abattre des arbres sans permission, il y a un contrôle sévère qui est fait là-dessus avec des amendes élevées. Alors, sachez-le, puis on y tient vraiment notre canopée, puis au contraire, on veut même la bonifier. Mais, par exemple, est-ce que je sais qu'il y a un règlement, nombre d'arbres par mètre carré, mais est-ce que ce règlement-là, il y a quelqu'un qui vérifie, En fait, le règlement prévaut lorsqu'il y a une rénovation ou encore une construction. C'est là qu'on peut intervenir. Maintenant, il n'y a pas d'inspecteur ou il n'y a pas un règlement qui permet d'aller dans la cour de tous et chacun et se mettre à calculer combien d'arbres il y a puis de dénoncer qu'il n'y a pas suffisamment d'arbres. Ce que l'on peut faire, cependant, sur la propriété privée, vous savez, il y a nécessairement la rue, il y a le trottoir, puis il y a ce qu'on appelle l'emprise publique. Des fois, cette emprise-là peut varier de... un mètre et demi. Et ça, c'est permis et ça donne le droit à la municipalité, à la ville, en fait, de transplanter sur cette emprise publique-là des arbres. Et ça s'est déjà vu dans le passé. OK. Puis, par rapport au stationnement, là, j'ai regardé le plan Les îlots de chaleur. En fait, il y a un plan qui est disponible là, sur le site de l'environnement Santé Montérégie. Si on voit sur quelle rue, puis c'est bien identifié, en fait. À nouveau, c'est à travers le comité consultatif d'urbanisme de chaque arrondissement, le Vieux-Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park, où on peut agir là-dessus lorsque des demandes de rénovation ou encore des demandes de construction pour réduire au minimum le plus possible les îlots de chaleur. Ceux qui sont bâtis présentement, on doit malheureusement composer avec ces îlots-là, mais on tente de les contenir, de les réduire, et c'est là qu'on peut se prononcer lorsqu'il y a une nouvelle construction ou rénovation. OK. Ça veut dire que pour le moment, la loi ne permet pas d'intervenir pour ce qui est déjà construit. Il y a beaucoup... Pas sur la propriété privée. Ah non, mais... Sur la propriété publique, bien, en fait, là, c'est le concept du réaménagement des rues où on cherche davantage à les rendre conviviales pour tous, c'est-à-dire cyclistes, piétons, automobilistes.
vous savez, on a mis en place aussi, on veut mettre en place et on s'en inspire beaucoup, c'est mm-hmm. le projet de Vision Zéro, c'est de réduire à la source là, tout potentiel d'accident ou de blessure pour tous les utilisateurs là, de la voie publique. Initialement, on cherche à réduire cette empreinte-là qui est irréversible et néfaste, puis axer davantage sur la mobilité active, que ce soit à travers le piéton, vélo, véhicule de transport collectif. OK. Mais c'est pour les centres d'achat existants, autrement dit, là, il n'y a rien qu'on peut faire pour... C'est très, effectivement. À part de jouer un rôle d'influence, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est ça. Puis quand ils nous demandent des permis, regardez comme le long du boulevard Tachereau, là, vous voyez, il y a seulement transplantation d'arbres. Et vous voyez, il y a des distinctions là, avec ce qui était à l'époque l'ancienne ville de Greenfield Park versus Saint-Hubert et tout. Là. Mais puis on est très fiers et même, je pense, on fait des envieux parce que il y a quand même une belle canopée ici là, dans le vieux Greenfield Park et je tente le plus possible aussi d'en faire autant pour l'autre côté. Puis d'ailleurs, j'ai invité dernièrement mes collègues, on va soumettre justement à travers les deux contrats qui ont été octroyés pour la transplantation d'arbres, on va soumettre des propositions de, où on veut, où on souhaiterait qu'il y ait davantage d'arbres. Alors je vous invite, si jamais vous avez, puis là j'ai compris également que vous étiez de grandes marcheuses à travers la ville. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des propositions, ça me fera plaisir de les recevoir. Je pourrais vous donner mon adresse courriel. Alors, si vous voyez des endroits où vous pensez que ça vaudrait la peine de procéder à des transplantations, bien, ça nous fera plaisir de les saisir parce qu'avec mon adjoint, je suis en train de monter un fichier, justement, où on va faire des propositions à la ville pour garnir davantage l'arrondissement. C'est bon. Les îlots de chaleur existants, je sais qu'il y a des priorités qui ont été indiquées par Santé Montérégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ça, je, en toute honnêteté, je vais m'informer au niveau du traitement des priorités pour les îlots de chaleur. Là. Dans quel ordre on les aborde, ça, je pourrais vous revenir si vous souhaitez. Okay. Et dans le fond, si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées et tout à Mme la greffière, je pourrais vous revenir là-dessus puis vous répondre de façon exacte. Là. C'est bon. J'aurais peut-être une dernière. Bien sûr, allez-y. Participation citoyenne, c'est comme une fois par an que les gens peuvent soumettre des projets. Dans le passé, il y a eu des projets où on invitait la population à nous soumettre des projets, puis ces gens-là pouvaient bénéficier d'une certaine, d'une aide financière, là, dépendamment du projet. Alors ça, c'est possible. On verra voir si cette année, on va le ramener. Ça avait été intéressant, ça avait été couru également. Mais ça, effectivement, si jamais ça revient, on va en faire une annonce grand public, puis vous allez pouvoir y participer. Ce n'est pas quelque chose de récurrent. Non, pas pour l'instant. Okay. Bon. Mais c'est beau. Écoutez, merci de votre intervention, Mme Lemay. Puis n'hésitez pas, on va garder vos coordonnées. Je vais vous donner les nôtres. Puis gardons contact parce que c'est intéressant ce que vous évoquez. OK. Oui, vous pouvez donner un remercier à Mme la greffière. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Madame, bien sûr. Non, c'est davantage sur la canopée, les arbres. Parfait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je m'excuse de vous interrompre, décliner votre identité. Mon nom, Raphaël Harvey. Pour la greffière. Oui. Alors, bonsoir, Mme Harvey. Bonsoir. En tant que mère de deux jeunes enfants, mon conjoint et moi, on commence à être vraiment préoccupés par la sécurité du quartier. Je sais que c'est un sujet qui est souvent abordé récemment, pas juste à Greenfield Park, évidemment, mais on a noté quelques événements récemment. Évidemment, il y a eu un incident armé, c'est vraiment malheureux. Ensuite, juste au coin de chez nous, cette semaine, il y a eu un cycliste qui s'est fait happer par une voiture. Je suis au coin de James Davis et Empire. Et dans un des groupes Facebook, on a vu que ce qui a été noté, qu'il y a eu des gens qui ont été aperçus en train de leurrer les terrains des gens ou dans les maisons. Il y a eu certains citoyens qui ont dénoté ça. Donc, je me demandais s'il y avait un plan en ce moment sur lequel on travaillait pour la sécurité à plusieurs niveaux, c'est-à-dire routière, policière, si on y travaillait finalement. J'ai fait des recherches, j'ai vu certaines choses qui pourraient être faites. On pourrait rajouter des lampadaires, par exemple, sur ma rue, par exemple, sur James Davis. C'est très sombre. On ne connaît pas la limite de vitesse sur Springfield et Empire, qui sont deux avenues qui sont quand même importantes. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 40? On ne sait pas. Peut-être que si je m'inspire de Saint-Lambert, peut-être que ça pourrait être réduit à 30 partout. C'est une suggestion comme une autre. Okay.
Donc, je vous écoute. J'ai de la sécurité. Deux choses. J'ai plusieurs éléments dans votre intervention. Alors, la première, sachez qu'en matière de circulation, de sécurité, on y travaille. Okay. Alors, il existe, comme, en fait, je pense que vous savez, il existe la commission de mobilité et de circulation sur laquelle je siège et j'agis à titre de vice-président également. Ouais. Et on a déposé auprès d'équipe de l'administration de la ville ce qu'on appelle la vision zéro. Là. Alors, c'est un projet, en fait, on cherche à mettre à niveau la ville de Longueuil avec cette vision-là zéro qui vise à permettre là, pour tous et chacun un partage sécuritaire là, des voies publiques. Alors, piétons, vélos, automobilistes, puis axés sur la mobilité active à travers les transports collectifs également. On veut l'adresser par secteur. Ce que je me plais toujours à dire, c'est prenons une photo aérienne là, ou un peu d'oiseau, là, puis regardez l'ensemble de notre territoire et comment on est capable d'aménager la circulation sur ce territoire-là de façon sécuritaire. Je vous dirais, moi, la plainte première ou la récrimination première que j'ai reçue en campagne avec mes collègues, c'est la circulation. Ouais. Le nombre de véhicules a augmenté, la vitesse est augmentée aussi beaucoup. Considérablement, oui. Il y a beaucoup plus de véhicules qu'auparavant. On doit composer avec ça. Puis l'objectif, c'est de ramener les gens à une autre réalité que se déplacer exclusivement en véhicule automobile. Alors, ça, c'est quelque chose. Puis ce qu'on appelle également le principe des rues complètes, là. C'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte de façon sécuritaire. Donc, c'est quelque chose qui va s'amorcer et qui va s'échelonner sur des années. Là. C'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle perception de l'aménagement de l'espace urbain qui bénéficie à tous. Là. Okay. Alors ça, on s'engage dans cette voie-là, c'est tout nouveau. Et vous allez voir là, au cours des prochaines mois, et années, toute la mise en place de cette nouvelle vision-là qui va prendre de plus en plus d'essor. Maintenant, pour ce qui est des autres enjeux de sécurité, nécessairement que ce soit d'éclairage, que ce soit la surveillance policière, en fait, nous, on demande toujours aux citoyens de nous les rapporter, ces situations-là, parce que mon rôle avec mes collègues, c'est de rapporter ça au service de police de l'agglomération de Longueuil pour qu'ils puissent surveiller des endroits plus problématiques s'ils le sont problématiques. Okay. Puis effectivement, là, il y a eu des événements récents qui se sont produits avec une Fruit Park. Parler de l'accident là, survenu à l'intersection de la rue Ampé et James Davis, qui est quand même pas banal. Il y a eu une histoire ici, il y a deux, trois semaines passées également, où il y a eu utilisation d'armes à feu. C'est pas banal non plus. Non. Alors, écoutez, c'est des choses dont la ville est saisie, puis consciente, puis sur lesquelles on veut agir. OK. Puis, là, on parle au niveau de la travailler avec le SPAL, la surveillance policière, finalement. Est-ce que c'est déployé vraiment à l'échelle de la ville de Longueuil ou il va avoir des discussions pour qu'il y ait des opérations vraiment pour le vieux Greenfield Park? Il peut en avoir. Ces opérations-là peuvent être ciblées, mais nécessairement, il y a une approche globale pour l'ensemble de la ville, en fait, de l'agglo, je devrais dire, parce que vous savez qu'il y a Saint-Lambert, Saint-Bruno, Boucherville-Brassard, plus la Longueuil, mais il peut y avoir des interventions plus ciblées quand une problématique est relevée. Alors, petit exemple, nous sommes déjà intervenus auprès du SPAL en disant, écoutez, sur telle artère, sur telle rue, la circulation est problématique. Ou autour de telle école, voulez-vous surveiller davantage? Puis vous l'avez peut-être constaté, prenons l'exemple de l'école du Greenfield Park. J'ai fait deux visites depuis la semaine dernière, puis aux intersections Margaret puis Maple, il y a de la police. Puis ils sont intervenus, ces gens-là, parce que toute une nouvelle signalisation est mise en place, il y a une sensibilisation. Et ça a été comme ça dans tous les secteurs de la ville, là. Auprès de toutes et chacune des écoles primaires, il y a eu une présence policière du service de police de l'agglomération de Longueuil, dont je remercie, pour sensibiliser davantage là, tous les automobilistes là, qui circulent là, pour aller reconduire les enfants. Parfait. Puis pour conclure, j'avais fait déjà les démarches, je n'ai pas fini encore, là, pour faire installer des dos d'âne sur ma rue. Oui. J'ai eu le formulaire et tout, je vais faire signer mes voisins. Si, si je voulais, par exemple, qu'il y ait des lampadaires, est-ce que c'est la même procédure? Écoutez, vous pouvez m'écrire. Okay. Je pourrais déposer une requête dans ce sens. Puis les services de génie, l'urbanisme vont s'y pencher, voir dans quelle mesure un lampadaire serait nécessaire, parce que je connais bien l'intersection près de chez vous, puis je comprends que la rue Springfield et James Davis, il y a le petit parc là où avec le passage. Il y a une lumière au coin de Springfield, puis une au coin d'Empire, mais entre les deux, c'est pas un long tronçon de rue, on s'entend, mais il n'y en a pas. Fait que c'est assez sombre. Je pourrais prendre une photo peut-être. Ah, bien, parfait, parce que ça se mesure. La luminosité est... Je suis convaincu que les services techniques sont capables d'en mesurer l'intensité, puis si elle est problématique, bien, on pourrait remédier. Parfait. Bon, bien, je vais... Puis, bonne chance aussi avec votre démarche pour la requête, oui, pour l'installation du dos d'âne. Vous avez vu toute la procédure à suivre. Puis, Pour que je fasse signer mes voisins, est-ce que je dois avoir la majorité? Comment ça fonctionne?
Ben, en fait, vous devez avoir la majorité ou le consentement total et complet de là où vous projetez voir l'installation. Exactement. Des gens qui seraient affectés. Je n'ai pas le formulaire sous les yeux, mais ouais. Ça indique que vous devez obtenir, sauf erreur, 70-75% des résidents d'un tronçon, d'un segment. Ouais. Et là où peut être installé le dit dodan en question, vous devez avoir l'assentiment de tout le monde devant lequel ce dodan pourrait être installé. Parfait, je vais m'y mettre. Super. Bon, merci beaucoup de votre intervention. Merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça ne semble pas être le cas. Alors, Mme la greffière, on va passer aux questions courriel. Alors, s'il vous plaît. Oui. On a reçu deux questions, sauf erreur. Alors, je vais vous laisser adresser celle-ci. Donc, une question de Andrea Chapman. Is there a plan to have Greenfield Park's bilingual status reinstated, extended? As a bilingual member of this community, I believe it to be an important status for us to maintain. There is a lot of history here, and it is important to be acknowledged in both English and French. Alors, on a reçu une question de Mme Chapman. Je vais laisser ma collègue Suzanne Rasmussen répondre à celle-ci. Thank you, Mrs. Chapman, for your question. This question came up at the last Borough Council meeting in August, where we explained that the government will be issuing notices to municipalities that have bilingual status, including the Borough of Greenfield Park. And once we receive the notice, we, the Borough Council, will be issuing and adopting a resolution stating that Greenfield Park wishes to maintain its bilingual status to satisfy the requirements outlined in Bill 96, Article 29.2. Merci, Madame Chapman, de votre question. Cette question a été soulevée lors de la dernière réunion du Conseil d'arrondissement au mois d'août, où nous avons expliqué que le gouvernement émettra un avis aux municipalités ayant le statut bilingue, y compris l'arrondissement de Greenfield Park, auquel moment nous, le conseil d'arrondissement, publiera et adoptera une résolution indiquant que Greenfield Park souhaite maintenir son statut bilingue afin de satisfaire aux exigences énoncées dans l'article 29.2 de la loi 96. Merci. Prochaine question. Oui, c'est une question de Deborah Innes. Good evening. I would like to thank Eric and Susan for getting two important documents that were sent out only in French, translated. My question is, since we have bilingual status, will we have to ask each time we receive important information to be translated? Alors, à nouveau, je demande à Madame Rasmussen de répondre à cette question. Thank you, Mrs. Innes, for your question. Since the city of Longueuil does not have bilingual status, they are not obliged to issue communications in both languages for city housekeeping issues. Only communications and notices concerning the health and safety of citizens are required to be in both languages. I would just like to add, though, that if ever you do receive, like this past notice that we did get translated for you, if you receive another notice or communications from the city in French only and you need help to have it translated, we would be happy to help you with that. Merci, Madame Innes, de votre question. Comme la ville de Longueuil n'a pas le statut bilingue, elle n'est pas tenue d'émettre les communications dans les deux langues pour les enjeux d'entretien. Seules les communications et les avis concernant la santé et la sécurité publique doivent être émis dans les deux langues. Merci. Merci, Mme Rasmussen. Est-ce que ça termine la période de questions courrielles? Oui. Très bien, merci. Alors, ça nous amène, Mme la greffière, au point 1.4. Alors, 1.4. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 15 août à 19h30. It is moved to adopt the minutes of the meeting held on August 15. Très bien, adopté, merci. 2.1. Donc, il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juillet. The minutes of the Planning Advisory Committee meeting held on July 14 are hereby deposited. Approuvé, merci. Alors, 4.1.
Il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 1er au 27 août 2022. The report of the authorization of expenditures granted under a delegation within the borough's field of competencies for the period of August 1st to August 27th is hereby deposited. Merci. Approuvé. 10.1. 10.1. Donc, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au changement du message de l'enseigne sur socle existant, ainsi qu'à la réfection de la façade principale et de la façade latérale gauche pour le bâtiment situé au 4899 boulevard Taschereau, et relatif au plan d'ensemble d'affichage pour les commerces situés au 4897 et 4899 boulevard Taschereau, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme, et la présente résolution remplace la résolution GP180409-10.5. It is moved to approve the site planning and architectural integration program regarding the change of the message of the existing sign pole and the repair of the main facade and the left side facade for the building located at 4899 Taschereau Boulevard, and regarding the comprehensive display plan for the businesses located at 4897 and 4899 Taschereau Boulevard, as per the report and plans presented to the Planning Advisory Committee on August 25. And this resolution replaces the resolution GP180409-10.5. Merci beaucoup. Approuvé. Ce qui m'amène au point 12.1, 12.1, période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je vais débuter avec Mme Rasmussen. Oui. Bonsoir tout le monde ici dans la salle et aussi en ligne. Merci à Chad Kennedy et son équipe dévouée de bénévoles de son association C2C pour le SSPT pour tout le temps et l'énergie qu'ils ont consacré à lutter contre la stigmatisation entourant la SSPT en parcourant le Canada. La filiale 94 de la Légion royale canadienne à Greenfield Park a été un arrêt très approprié pour la dernière étape du parcours transcanadien pour cette année, car les Légions ont été l'un des premiers endroits où les militaires et les anciens combattants ont pu se rencontrer et se soutenir les uns et les autres, tout en essayant de composer avec le SSPT, où la fatigue de combat, qui était autrefois les termes les plus couramment utilisé pour décrire les symptômes associés au SSPT. Un grand merci aux nombreux bénévoles de tous les côtés qui ont rendu possible la marche à Greenfield Park et au restaurant Barbies pour le déjeuner. Thank you to Chad Kennedy and his dedicated crew of volunteers from C2C for PTSD for all the time and energy they put into fighting the stigma surrounding PTSD with his walk across Canada. The Royal Canadian Legion Branch 94 Greenfield Park was a very fitting last stop for this year's leg of the Canada-wide journey, as legions across Canada were one of the first places service members and vets could meet up and support each other while trying to deal with PTSD, or shell shock and combat fatigue, which were once the terms more commonly used to describe the symptoms associated with PTSD. Many thanks to the many volunteers on all sides that made the Greenfield Park walk and talk possible, and to Barbie's restaurant for providing the lunch. Un autre grand merci à Penny Cristiano et son équipe de bénévoles de la Fondation Tout pour les enfants, ainsi qu'à l'équipe de la ville pour tout le travail qu'ils ont consacré à la mise sur pied d'un autre événement très réussi samedi dernier, avec le marché saisonnier ici devant les bureaux de l'arrondissement. Merci aussi à tous les acheteurs qui sont venus et aux vendeurs, nombreux vendeurs qui sont venus vendre leurs produits. Il y avait une sélection spectaculaire, des fruits et légumes et de la viande, des conserves maison, des produits de boulangerie, du vin, des fleurs et de l'artisanat.
et aussi du maïs gratuit. Si vous l'avez manqué samedi dernier, ils seront tous de retour ce samedi, le 17 septembre, de 9 heures le matin jusqu'à 13 heures. Encore une fois, ici devant les bureaux. J'espère vous y voir. A big thank you to Penny Cristiano and her crew of volunteers from the All for the Children Foundation, as well as to the city crew and all the work they put into setting up yet another super successful event this past Saturday with the farmers market here in front of the borough offices. Thank you too to all the shoppers who came by and the many vendors who came out to sell their wares. There was a spectacular selection to choose from fruits and vegetables and meat, home preserves, baked goods, wine, flowers, and handicrafts, and free corn to boot. If you missed it this past Saturday, they will be back again this coming Saturday, September 17th from 9 a.m. to 1 p.m., right out front here again in front of the borough offices, and we hope to see you there. Merci et bonsoir. Merci, Madame Rasmussen. Monsieur Normandin. Bien oui, bonsoir tout le monde dans la salle, puis tout le monde en ligne. C'est déjà le mois de septembre. C'est difficile à croire. Je veux commencer mes remarques à soir avec des nouvelles incroyables concernant la piscine de la Parc Henri-Veillette. À partir de cet automne, et ce délai pendant à peu près trois mois, il y aura 500 000 qui seront investis dans la piscine pour remplacer la toile au complet. Et comme si tout va bien, la piscine sera ouverte pour l'été prochain. Aussi, ce dimanche, le 18 septembre, aura lieu la journée de Terry Fox à Greenfield Park. L'événement et l'inscription commenceront à 8h30 le matin à la Légion de Greenfield Park, 205 rue Empire à Greenfield Park, et se poursuivra jusqu'à environ 11 heures. Nous avons hâte de vous voir et voir tout. Dernièrement, vendredi le 23 septembre, nous avons un immense honneur de célébrer le 60e anniversaire de l'école Saint-Jude. Cet événement-là, ça commencerait à peu près à 5h45 le soir jusqu'à 8h. Et si vous êtes intéressé à assister à cet événement-là, veuillez réserver en envoyant un courriel à saintjudeschoolevents@gmail.com. Encore, saintjudeschoolevents@gmail.com. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, M. Normandin. Alors, tout d'abord, merci aux citoyennes qui se sont présentées ici ce soir. Merci également à ceux qui nous suivent en ligne. Tout d'abord, vous savez, il y a quelques semaines passées, on a lancé un message à travers les médias sociaux pour recueillir des dons d'effets scolaires, en fait. Alors, il y a eu des publications sur notre site Facebook, je m'excuse, Actualité Greenfield Park, Greenfield Park Actualité News, ainsi que sur nos messagers personnels, afin de solliciter la population de Greenfield Park à venir déposer des effets scolaires ici à la bibliothèque de Greenfield Park. Et ces effets ont été ramassés jusqu'à vendredi dernier, le 9 septembre. Et ce matin, avec mon adjointe, on a été distribuer ces effets scolaires-là. Puis je dois vous avouer, ça a été un grand succès. On avait plusieurs boîtes, on a fait quelques allers-retours du véhicule jusqu'à la réception des écoles. Et il y a eu dépôt d'effets scolaires au sein de l'école Saint-Jude, l'école Pierre-Laporte et ainsi que l'école du vieux Greenfield Park. En fait, ce sont toutes des écoles primaires situées sur le territoire de Greenfield Park. Je tiens aussi à remercier la bibliothécaire, Mme Lynn Boucher. C'est elle qui recueillait là, à travers une boîte sur laquelle il était indiqué qu'on pouvait déposer des contenants. Mme Boucher faisait des communications avec moi régulièrement pour venir dire « Monsieur Joly, venez vider la boîte, elle est pleine. » Alors, j'ai fait quelques voyages, puis ça fut un grand succès. Alors, je tiens à remercier la population de Greenfield Park de cette belle participation-là. Et ça témoigne à nouveau qu'à Greenfield Park, il y a un grand esprit de communauté et il y a un grand sentiment d'appartenance. Puis les gens en ont fait foi encore à travers cette donation d'effets scolaires. Alors, je tiens à leur dire un grand merci. Deuxième chose, ma collègue Suzanne en a parlé la semaine dernière, samedi passé. Il faisait extrêmement beau. Il y a eu notre premier marché public ici, juste devant le bureau d'arrondissement. Ce fut un grand succès. L'expérience va être répétée ce samedi. Alors, j'invite la population à venir faire un tour. On a eu aussi une belle visite. Alors, Mme Fournier, notre mairesse, est venue faire pas un tour, mais plutôt deux tours, parce qu'elle est venue une fois, elle est revenue plus tard, et il y avait beaucoup d'achalandage. Alors, c'est un grand succès. Merci aux organisateurs. Merci également à toutes les équipes de la Ville qui voient mettre
cet événement-là en place. Là, ça a l'air de rien, mais il faut tout monter, tout ramasser par la suite. Alors, c'est une belle expérience, puis fort de cette expérience-là, moi, je demeure optimiste que celle-ci, cette expérience, puisse être répétée l'année prochaine. Je profite également pour rappeler que dernièrement, avec la rentrée scolaire, j'en ai glissé un mot tantôt, il y a une nouvelle signalisation qui est aux abords de l'école du vieux Greenfield Park. Alors, on parle de la rue Fairfield. Alors, à partir de la rue Margaret, vous savez, Fairfield, je parle du tronçon entre Maple et Margaret, le matin et l'après-midi, à des heures bien prescrites, il est interdit de prendre la rue Fairfield, en fait, de tourner à partir de Margaret pour monter Fairfield. Alors, l'idée, c'est de sécuriser la circulation piétonne des enfants qui arrivent soit à pied, en vélo ou encore avec leurs parents. Et il y a eu bonification de d'autres mesures également tout le long de cette rue-là ou ce tronçon-là. Alors, il y a eu d'installation de panneaux de corridors scolaires, rehaussement du trottoir, interdiction de monter la rue Fairfield à partir de la rue Margaret. Il y a eu un changement de signalisation de traverse piétonnière également sur la rue Springfield. Alors, tout ça n'a que pour seul objectif de sécuriser les élèves de cette école. Alors, c'est des belles mesures qui ont été en place. Ça va se poursuivre. Il va y avoir des rencontres avec le centre de service scolaire ainsi qu'avec la direction de l'école. Je profite de l'occasion également, les encombrants. Alors, il va y avoir une cueillette le 21 septembre pour le secteur 6 ainsi que le 22 septembre pour le secteur 7. Et enfin, prenez note, le prochain conseil de ville va se tenir mardi le 20 septembre prochain. Quant à nous, on vous revient et on espère qu'on va avoir un public lors de la soirée électorale. Alors, on revient ici le 3 octobre, c'est la soirée des élections. Et qu'on va souhaiter qu'on ait du public, soit en personne ou à distance. Alors, good evening, everyone. Thank you for joining us. Thanks to the population for donation of school supply. Thanks to those in charge of the Greenfield Park Library, particularly Madame Lynn Boucher. The school received a donation this morning, St. Jude, Pierre Laporte, École du Vieux Greenfield Park. Otherwise, other subject, happy success with the public market and thanks to the employees of the city for the preparation. We had the visit of the mayor and the market repeat next Saturday, September 17. Collection of large waste material. For the Sector 6, September 21st, Sector 7, September 22. The next meeting council will be September 20, and our borough meeting will be on October 3rd. So thank you for joining us and have a good evening. Thank you. Merci beaucoup aux citoyennes qui se sont présentées ici. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci, Monsieur le technicien, Madame la Graffière. Merci. Bonne fin de soirée.